nos programmes pour un flash spécial. Le procès du RICA 2 est terminé. Le verdict vient de tomber. Monsieur Tchipouille est condamné à 50 000 € d'amende et doit retirer le RICA 2 de sa flotte. Retrouvons tout de suite nos envoyés spéciaux à la sortie du tribunal pour les premières réactions. S'il vous plaît, un petit commentaire. Monsieur Tchipouille, pourquoi avez-vous mis le RICA 2 en Alaska? Monsieur Tchipouille. Mon client ne fera aucun commentaire. Monsieur Tchipouille, aucun commentaire. Ça ne se finira pas comme ça. Vous avez écopé de 50 000 € d'amende parce que vous faites naviguer de vieux bateaux remplis de pétrole qui représentent un véritable danger pour la terre. Pas. Comme je vous l'ai dit, je n'ai absolument rien à dire. Simplement à dire que cette décision est injuste. Vous n'avez pas à répondre. Voyez avec Maître Corbeau. Ça ne se finira pas comme ça. Il y aura des suites dans ce procès. Vous entendrez parler de nous. Commentaire. Je vais vous dire que ça ne se finira pas comme ça. Il n'y a aucun commentaire. Aucun commentaire à faire. Je tiens à vous féliciter pour notre émission Environnement TV qui a été encore une fois la chaîne la plus regardée. Donc félicitations. Donc si vous avez des nouvelles idées pour cette semaine, pour le prochain reportage qu'on fait, je vous écoute. Vas-y. Moi j'ai un petit sujet sur la faune et la flore de l'océan Indien. Ah ok. Moi j'ai un reportage sur les Français et le recyclage. Moi j'ai le reportage sur l'écosystème des îles Papagne. Moi, j'ai des nouvelles des l'incinérateur de France. Moi, j'ai un sujet sur la pollution urbaine. Ok, alors je vais les noter là. Après, on fait comme toutes les semaines, un tirage au sort. Mmh. Et suite à ça, on verra quel est le reportage de la semaine. Si on fait rien, je crois qu'on a le prochain sujet. Bienvenue en Alaska. Mais c'est terrible, il faut absolument faire quelque chose. Oui, on va aller faire le reportage. Exactement, il fallait faire le reportage. Je suis sûre que c'est le RICA 2. Il est certainement allé là, ça. Moi, je propose qu'on prenne nos caméras et qu'on y Allez les gars, on y va. Caméra à la main. Vous êtes prêts? C'est là. Non, absolument pas. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je te paye assez pour que ça marche. D'accord? Très bien, je te laisse. Oui, je te laisse. Oui, bonjour. Oui. Qu'est-ce que vous voulez? Très bien, je vous ouvre. Environnement TV. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Non. Absolument rien à vous dire. C'est juste pour savoir si le RICA 2 est toujours en action. Non, non. Le RICA, on en a déjà parlé au tribunal. Venez vous asseoir deux minutes. Le RICA, on a déjà dit, n'est plus du tout en exploitation. D'accord? Ça fait 10 ans que le RICA a été. D'accord? On a eu des problèmes à l'époque, mais maintenant c'est fini. J'ai déjà répondu au tribunal que par rapport à RICA 2, l'exploitation, on avait tout à fait arrêté. D'accord? Alors arrêtez de me poser cette question-là et maintenant je vous demande de sortir de mon bureau. Pourquoi alors ce PV de 50 000 €? Parce que j'ai déjà répondu au tribunal, mon avocat, Maître Corbeau, a dit sans commentaire. Maintenant, vous sortez de mon bureau. Samantha, tu m'appelles la sécurité. Si vous allez rien à vous reprocher, prenez-vous en sortez. Pourquoi Samantha, appelez-moi la sécurité, s'il vous plaît. Pourquoi? Vous sortez maintenant. On va faire cracher le morceau, nous. Vous sortez. Vous nous faites pas peur, d'accord? On va faire cracher le morceau. Thank you.
Cala, tu me reçois. Et Cala, Robert, on va aller les gaz. C'est bon, Robert. Tu as encore une vision? Oui. Il y a une salle aussi qui dirige tous les bateaux. Il faut qu'on la trouve plus vite si on veut qu'on le sait. Pour un flash spécial. La chaîne Environnement TV est fière de vous annoncer l'arrestation de M. Tchipouille qui, malgré l'interdiction du tribunal, continuait à faire naviguer le RICA 2. Nous rejoignons nos reporters en direct. M. Tchipouille, que pensez-vous de votre condamnation? Que pensez-vous? Vous ne m'avez pas répondu. Vous ne m'avez pas répondu. Que pensez-vous de votre condamnation? La justice n'est pas aveugle. Tôt ou tard, nous lèverons le voile. Vous voyez qu'il ne fallait pas faire naviguer le... Le RICA 2. Vous l'avez fait naviguer. Que pensez-vous de votre condamnation? Vous ne m'avez pas répondu. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Absolument rien. Je n'ai plus rien à dire. Arrêtez de me filmer. Arrêtez.